Frères et sœurs, nous venons ce matin vous saluer dans le nom de Jésus. J'espère que vous avez passé une bonne et agréable nuit. Et c'est souvent agréable de nous retrouver très tôt le matin en présence du Seigneur. Nous avons pour thème ce matin, notre thème, déjà le thème du mois, progrès par les œuvres sociales. Donc c'est le thème de notre mois. Donc nous sommes sur les œuvres sociales. Et le thème que je vais aborder ce matin avec vous, c'est la mise en place des banques alimentaires et vestimentaires. Qu'est-ce que nous attendons par la mise en place des banques alimentaires et vestimentaires? Ici, il est simplement question de regrouper en un lieu les aliments, les habits, pour faire l'œuvre sociale. Donc, je veux dire quoi par là? C'est que, puisque nous sommes à l'Église, et c'est l'Église qui initie ce programme, nous avons un département appelé le département des œuvres sociales. Donc, nous voulons, au travers de ce département, collecter des habits, des aliments, pour pouvoir évangéliser avec, pour pouvoir rendre visite à des nécessiteux, à des personnes qui en ont besoin. Nous allons comprendre au travers des Écritures que l'Église du 1er siècle l'a fait également. Donc, ce que nous faisons, c'est prescrit par la Bible. Les premiers chrétiens, les premiers disciples l'ont fait. Nous également, nous devons continuer avec cela parce que la parole de Dieu nous le recommande. Lorsqu'on parle d'aliments, c'est généralement non périssable. Tout ce qu'on peut acheter, qu'on peut manger, voilà. On a les spaghettis, on a les boîtes de conserve, etc. Maintenant, s'agissant du vestimentaire, donc des habits, je crois qu'aucune personne ne peut donner à son enfant ce qui est déjà gaspillé. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que si nous apportons des habits à l'Église pour pouvoir donner aux nécessiteux, ne donnons pas ce qui est déchiré ou ce qui est déjà délavé. Parce que si toi-même tu peux apporter ce qui est délavé, pourquoi alors accepter que l'autre porte ce qui est délavé? Si toi tu peux pas porter ce qui est déchiré, pourquoi accepter que l'autre porte ce qui est déchiré? Donc, si on a des habits dans nos maisons que nous ne portons plus, non pas que parce que c'est gaspillé, non, parce que peut-être on a pris de volume, on a grossi, ça ne nous suffit plus, on doit distribuer. Si on a assez d'habits qu'il n'y a même plus assez de place dans notre maison, on doit apporter pour le bénéfice des autres, parce que cela est recommandé par le Seigneur au travers de sa parole. Alléluia. Nous appelons cela l'évangile par les œuvres sociales. L'évangile par les œuvres sociales, l'évangile holistique. Et ce qui est des assemblées de Dieu du Gabon, nous avons tout un département national qui gère ça, l'évangile holistique, dont le responsable en est le secrétaire général des assemblées de Dieu, à la personne du pasteur Bonaventure Kumba Antio. Permettez-nous de lire dans 1 Corinthiens chapitre 16, les versets 1 à 3. 1 Corinthiens chapitre 16, versets 1 à 3, il est écrit: pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'entende pas mon arrivée pour recueillir les dons.
Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Le premier verset dit ceci. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints. Ici, mon thème, c'est la mise en place des banques alimentaires et vestimentaires. Donc, on parle ici de collecte. Collecter les produits alimentaires et les produits vestimentaires. Donc, la collecte. C'est vrai, ici, il est mis les saints. Les saints, il est question des chrétiens. Voilà. Mais pour nous ici, il s'agit d'aller évangéliser. Donc, pour pouvoir atteindre les peuples, c'est-à-dire pour pouvoir annoncer l'évangile aux peuples non atteints par l'évangile, nous voulons les atteindre au travers des œuvres sociales. Donc, pour ce qui concerne la collecte en faveur des non-croyants, voilà, nous allons dire de non-croyants, agissons avec amour. Agissons avec amour. Donc, l'apôtre Paul dit, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie. Oui, le Seigneur nous le recommande. Cela est biblique. Donc, mettre à part des dons en fonction de notre prospérité, c'est-à-dire ce que nous possédons. Nous ne pouvons donner que ce que nous avons. Si nous n'avons pas, nous ne pouvons rien donner. Voilà. Donc, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'entende pas mon arrivée pour recueillir les dons. En fait, ce qu'on veut dire, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas besoin que le pasteur donne une injonction. On n'a pas besoin que le Seigneur nous révèle cela, parce que sa parole déjà nous le dit, de faire une collecte, d'offrir ce que nous avons. Mettre à disposition du Seigneur, ce que nous avons. Et nous mettons en fonction de ce que nous avons. C'est-à-dire, si moi j'ai, je prends un exemple bête, si je n'ai que 3 chemises, hein, ce sont les seules 3 chemises que j'ai. Donc, si je donne, il me reste combien de chemises? Donc, si on a plusieurs chemises, on a des choses que nous ne portons plus, mais qui est des choses qui sont encore présentables, qui ne sont pas délavées, qui ne sont pas déchirées, nous devons mettre cela de côté et apporter. Et comme je disais, ici, on a un département des eaux sociales. Toi qui me regardes en ligne, certainement, tu as envie de faire un don. Tu ne sais pas comment faire. Peut-être que tu as reçu le lien. Tu n'es pas des assemblées de Dieu de Plénoriti. Il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Appelle ce numéro et on va te donner des orientations. On va te dire comment faire. Que le Seigneur nous bénisse tous. Alléluia. Donc, nous ne devons pas attendre qu'on nous donne, on demande de le faire. Nous devons le faire parce que cela est recommandé du Seigneur. Donc, les dons de libéralité. Nous devons donner sans contrainte. La libéralité est un don. C'est biblique, la liberté est un don. Nous donnons sans contrainte, nous donnons avec amour. Nous donnons avec joie pour que, au travers de ces dons, nous puissions évangéliser et gagner un aussi grand nombre de personnes. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Donc, donnons volontairement selon nos moyens et nos capacités. On apporte les dons en fonction de ce que nous avons, je l'ai dit tantôt, et on le fait volontairement sans contrainte, en fonction de nos moyens et de nos capacité. Nous devons le faire avec amour. Oui, avec amour, la charité. Avoir l'amour. C'est-à-dire qu'on donne parce qu'on a l'amour pour Dieu, on donne parce qu'on a l'amour pour les autres. Il y a une chose formidable que je constate, c'est que on manifeste, on dit on aime Dieu. Et la Bible dit comment aimer celui que tu ne vois pas alors que tu n'aimes pas ton prochain. Et nous devons, si nous aimons réellement Dieu, nous devons également aimer nos prochains. Et qui dit aimer son prochain, dit partager ce qu'on a avec son prochain. Partager. Ayons de la compassion. La compassion, c'est un autre degré, un autre niveau. C'est compatir aux besoins ou à la souffrance que traverse l'autre. Lorsqu'on compatit aux besoins des autres, quand on a, on donne. C'est ça la compassion. Nous devons avoir la compassion. 1 Corinthiens
Nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens, autant pour moi, 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 8. 2 Corinthiens chapitre 8, les versets 1 à 8, il est écrit. Nous vous faisons connaître, frères, par la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Alléluia. On nous dit que les églises de la Macédoine, malgré les problèmes qu'il y avait dans cette église, malgré la pauvreté, la précarité, les églises, ces églises, sinon les chrétiens de cette église, ne se sont pas limités à leur situation. Ils ont manifesté la libéralité. Parce que Dieu les a fait du bien. Lorsque Dieu nous fait du bien, nous devons également partager ce bien avec les autres. Alléluia. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Waouh, quel sacrifice! Lorsque nous donnons, c'est un sacrifice. Je prends un exemple, quelqu'un qui a 1000 francs, enlève dans ces 1000 francs 500 pour donner à quelqu'un, c'est un sacrifice qu'il fait. Parce qu'avec les 500 en plus, il aurait dû certainement faire quelque chose. C'est un sacrifice. Et celui qui donne avec joie, qui donne avec liberté, avec amour, fait un sacrifice. Et ce sacrifice qui le récompense, c'est Dieu. C'est Dieu parce que Dieu sait le sacrifice que tu fais. Lorsque quelqu'un prend ses vêtements, ses aliments ou de l'argent, il donne à quelqu'un. Nous ne savons pas ce qu'il fait parce que la Bible dit que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Donc quand tu donnes, tu fais un sacrifice. Et Dieu sait le sacrifice que tu fais et Dieu va te récompenser en retour. Alléluia. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous allons nous arrêter au verset 5, d'abord. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. On dit ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Lorsque nous nous donnons au Seigneur, c'est-à-dire que la Bible veut nous dire quoi? Elle veut dire que les gens d'abord sont d'abord donnés au Seigneur, ils sont convertis, ils se sont consacrés au Seigneur. Lorsque nous sommes consacrés à Dieu, nous consacrons également tous nos biens au Seigneur parce que rien ne nous appartient. Tout ce qui nous appartient appartient au Seigneur. Appartient au Seigneur. Le Seigneur met cela à notre disposition parce qu'à un moment donné, il aura besoin de ça. Et nous, en retour, nous devons être sensibles aux besoins des autres. Oui, Dieu nous a fait du bien. Parce que nous nous sommes donnés à lui. Et Dieu veut également bénir quelqu'un au travers de nous. Voilà pourquoi il nous utilise. Donc, si nous sommes réellement consacrés à Dieu, si nous nous appartenons réellement à Dieu, nous devons comprendre que rien ne nous appartient. Tout ce que nous avons appartient au Seigneur. Et nous devons les consacrer au Seigneur. Nous devons donner avec joie. Nous devons donner avec joie. Nous devons donner sans tristesse selon que notre cœur a résolu. Alléluia. Nous devons donner selon que notre cœur a résolu. Amen. Tout doit venir du cœur. Oui, ne donnons pas avec tristesse. Parce que quelqu'un peut donner, mais il regrette avec tristesse. Pourquoi je donne? Parce que l'Église... Non, on doit donner avec joie, avec amour, selon que ton cœur a résolu. Nous sommes sauvés. Je vais terminer d'abord ici. Voilà. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, en tous égards, et dans votre amour pour nous,
faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Alléluia. Oui, la Bible va nous enseigner que plus nous nous consacrons au Seigneur, plus nous excellons en parole, nous excellons en amour, en conduite, nos témoignages sont favorables. Nous devons aussi exceller dans les œuvres sociales. Il est inconcevable que Dieu nous amène à un certain niveau, mais ce pan de l'évangile est mis de côté. La Bible dit quoi? Jésus allait de lieu en lieu, dans Actes 10. Je crois le verset 28. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc, les deux pans étaient avec le Seigneur. La puissance et les œuvres sociales. Donc, la guérison des malades, les œuvres sociales. Donc, Jésus allait avec ces deux pans. Or, nous, généralement, on réclame un message de puissance. On réclame de prier pour les malades, pour que les malades soient guéris. On veut la puissance, on veut les dons spirituels, la manifestation des dons spirituels. Mais on oublie le social. Le social, participer, compatir avec le besoin des personnes, des âmes. Alléluia! Que le Seigneur nous bénisse. Et je me souviens, nous étions un peu cassette. Là, nous sommes en 2019. 2019, au PK7, nous avions reçu un dimanche un jeune homme très jeune, qui était arrivé à l'église, mais il n'avait pas de babouche, il était venu pieds nus. Et vous voyez que quand quelqu'un vient à l'église pieds nus, il faut comprendre que là, c'est vraiment la réalité. Et on avait souvent tendance à, comme on a l'habitude de faire dans nos églises, les nouveaux venus, on s'arrête, on discute avec eux. Et puis, en discutant avec le jeune homme, une sœur qui était là, sans attirer l'attention de qui que ce soit, a pris la mesure du jeune homme. Mais malheureusement, après, la personne n'est pas revenue. On a pris son numéro et la personne est repartie sur la route, donc je crois vers la zone de Kango. Et le jeune homme est décédé parce qu'il était souffrant, il était malade. Voilà. Oui, c'est des choses qu'on a eues, que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Et nous voulons que, il n'est pas concevable que l'Église, certaines personnes font et d'autres non. Or, le salut que nous avons, Dieu nous a accordé son salut. Et nous devons le partager, nous devons partager le salut aussi avec d'autres personnes. Et partager le salut, c'est également faire les œuvres, participer aussi aux œuvres sociales. Alléluia. Nous allons lire dans Éphésiens. Chapitre 2, verset 8. Éphésiens, chapitre 2, verset 8 à 10. Éphésiens, chapitre 2, 8 à 10, c'est écrit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. En fait, la parole veut nous enseigner une chose, c'est que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et nous les hommes. Donc, pour être sauvés, nous devons accepter Jésus-Christ. Nous n'avons pas payé le prix. Il n'y a pas un prix à payer. Le seul prix qu'on a payé, c'est accepter Jésus-Christ en esprit et en vérité. Et nous sommes sauvés, nous obtenons le salut. Cependant, nous sommes sauvés pour pratiquer les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne sauvent pas. Les bonnes œuvres n'amènent pas au ciel. Mais nous sommes sauvés pour pratiquer des bonnes œuvres, ce que la parole nous dit. Car c'est par la grâce, le verset 9 dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le verset 10, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, la Bible veut nous enseigner que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, mais nous sommes sauvés pour pratiquer les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, je le rappelle, ne sauvent pas, n'amènent pas au ciel. Donc, nous sommes sauvés pour les pratiquer. Et c'est biblique. Le Seigneur veut que nous fassions cela. Amen. Parce qu'au travers de ces œuvres, Dieu va toucher quelqu'un.
Nous appartenons à Dieu et ce que nous avons nous a été donné par le Seigneur, comme nous l'avons lu. Nous allons lire 2 Corinthiens 9, verset 13. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 1 à 13. Nous allons très lire, nous allons lire vite puisque nous n'avons plus assez de temps. Nous allons passer à la prière parce qu'il n'est pas question aussi de rien que prêcher, nous devons aussi prier. Il est écrit. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens. En déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là. Et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à notre confusion pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité, déjà promise afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le que celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qui est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Or, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Alléluia. Vraiment, c'est un texte très profond et très riche. Nous l'avons déjà commenté en début, mais même si on peut ressortir un certain élément, nous voyons que lorsque nous faisons des œuvres sociales, nous apportons des présents à des personnes qui en ont besoin. Vous ne savez pas ce que cela produit dans le cœur des gens. Les gens sont touchés. Et l'Église ne fait pas comme le politique, parce que le politique donne par la main droite, il récupère par la main gauche. Ça veut dire quoi? Lorsque le politique va offrir des sacs de riz et autres à des personnes, des pauvres en griffe, il filme. Après, ça passe dans les journaux. Comme pour dire, on a faim. Non, l'Église, ce n'est pas ça. L'Église fait et n'a pas besoin de filmer. On n'a pas besoin de dire aux gens que nous, on a faim. Non. Dieu, qui est dans le secret, qui voit une fourmi noire posée sur un caillou noir dans le noir, voit ce que nous faisons. Et Dieu nous récompense à sa juste valeur. Alléluia. Donc nous devons premièrement décider dans notre cœur de servir Dieu et non l'argent. C'est-à-dire que lorsque nous donnons parce que nous ne sommes pas attachés au bien matériel. Oui, lorsqu'on est attaché au bien matériel, on ne donne pas. Matthieu 6, 24 dit, on ne peut servir deux maîtres à la fois. Sinon, on aimera l'un et on méprisera l'autre. On ne peut servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Et il y a des chrétiens comme ça. Il a beaucoup de choses. Dieu l'a béni, Dieu l'a fait grâce. Mais comme il est attaché au matériel, il n'arrive pas à donner à son frère. Il n'arrive pas à donner à quelqu'un qui souffre à côté de lui. Et pourtant, il a la capacité, la possibilité de donner. Même quand son cœur est touché pour donner, il ne veut pas parce qu'il est attaché. Comme ce jeune homme qui était venu vers Jésus-Christ, qui avait demandé que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui a dit, aime ton prochain, aime Dieu. Il dit, j'ai tout fait. Et puis Jésus dit, bon, partage tout ce que tu as aux pauvres. Et là,
il s'est rendu compte qu'il avait tellement de biens qu'il ne pouvait pas donner. Il est reparti chez lui triste. Malheureusement, nous sommes nombreux comme ça dans nos églises. Nous sommes attachés au matériel. Nous sommes attachés aux biens périssables de ce monde. Or, la parole de Dieu nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, aux choses spirituelles, et non ceux qui périssent et qui pourrissent. Nous devons donner avec amour. Nous donnons enfin d'aider ceux qui sont dans le besoin pour promouvoir le royaume de Dieu. Oui, frères et sœurs, quand nous donnons, c'est que nous sommes en train de promouvoir le royaume de Dieu parce que nous donnons au nom de Dieu. Nous donnons pas au nom d'un homme, nous donnons au nom de Dieu. Et j'ai envie de dire que nous ne donnons même pas au nom d'une église, nous donnons au nom de Dieu parce que Dieu a touché notre cœur. Dieu nous a fait du bien, Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a visités, Dieu nous a bénis et nous donnons parce que Dieu l'a fait dans notre vie et nous voulons que Dieu le fasse également dans la vie des autres. Alléluia, alléluia. Et lorsque nous faisons, c'est le royaume de Dieu qui avance. Quelqu'un va se convertir, non pas parce qu'on a prêché, c'est vrai la prédication viendra, mais c'est parce qu'il a été touché par l'acte qui a été posé. Nous allons dire au Gabon, et partout ailleurs, mais je parlais précisément du Gabon, et dans le grand Libreville où nous sommes, les gens ont entendu parler du Seigneur. Les gens ont entendu parler du Seigneur. Mais ils sont là, ils ne se convertissent pas. Certains, parce qu'on ne compatit pas leur situation, ils disent, mais je vais aller à l'église. Oui, eux, ils prêchent, oui, mais moi, à la maison, quand je mange quoi? Je préfère aller le dimanche chercher la nourriture, aller à ma plantation pour que je mange. Parce que c'est le seul jour que je peux consacrer pour aller en forêt ce dimanche. Je prends un exemple. Un élève qui apprend de lundi à samedi, il n'a que le dimanche où il peut aller en forêt chercher la nourriture. Donc, s'il ne part pas le dimanche en forêt, il fait comment pour manger? Et lorsqu'on sait cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Le Seigneur nous amène à mettre des conditions adéquates pour que notre frère se rende, le jeune homme se rende dimanche à l'église. Alléluia! On peut être disponible, on peut se dire, bon, qu'est-ce que tu peux faire pour que le dimanche tu ne vas plus en forêt que tu viennes à l'église? Ça peut s'examiner. C'est que Dieu nous a donné des talents. Dieu nous a donné des dons, il nous a donné des capacités, l'intelligence. Mais nous devons mettre cela au service du peuple de Dieu. Parce que on parle des païens, on parle des gens qui sont non-croyants, mais c'est aussi le peuple de Dieu. Parce que Dieu les a créés. Et Dieu veut qu'ils se convertissent. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsque nous donnons, nous amassons des trésors dans le ciel. Dans le ciel, et nous apprenons à craindre le Seigneur, le Seigneur. Lorsque nous donnons, donner est considéré comme une preuve de notre amour. De notre amour. Oui, nous pouvons le lire dans 2 Corinthiens 8, 24. Et cela doit être effectué comme un sacrifice et volontairement. Lorsque Dieu pourvoit en abondance dans notre vie, c'est pour que nous multiplions nos bonnes œuvres. J'ai envie de dire quoi? C'est que lorsque Dieu nous fait l'avantage, c'est que nous devons également contribuer, nous devons multiplier nos œuvres sociales en faveur des saints. Alléluia. Et nous allons lire le dernier verset, puis nous allons prier. Voilà, excusez-moi, nous allons vraiment prier. Nous sommes là pour la prière, c'est important. Donc, Hébreux 13, 15 à 16. Hébreux 13, 15 à 16, il est écrit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia! C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La Bible dit,
l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oui, ça c'est la parole de Dieu. Ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas du pasteur, mais c'est la parole de Dieu. C'est Dieu. Dieu dit, il prend plaisir à de tels sacrifices, de bienfaisance. Comme nous louons, comme nous adorons Dieu, nous devons également participer dans les offices. Nous devons obéir la parole de Dieu dans toute son entièreté. Aujourd'hui, certains obéissent à un pan de l'évangile, mais d'autres, ils ne veulent pas obéir à cela, comme je disais, parce qu'ils sont attachés aux choses superflues, aux choses de ce monde. Mais pourquoi nous avons accepté Jésus-Christ? Est-ce que c'est pour bénéficier de la richesse terrestre? Ou bien c'est pour que notre âme soit sauvée? Pour qu'enfin nous puissions accéder au paradis et non à l'enfer. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons, comme tu as manifesté ta grâce sur nos vies, nous ne voulons pas être avares. Oui, nous allons prier sur l'avarice. Parce que l'avarice, aujourd'hui, empêche beaucoup de chrétiens à compatir, à avoir la compassion à la situation des autres. L'avarice refuse que nous puissions donner à notre frère qui passe par des moments difficiles, à notre voisin, à notre semblable. Parce que comme nous le disions, l'homme est fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc, pourquoi nous voulons donner à Dieu et nous ne voulons pas donner à nos frères? Si nous disons que Dieu demande que nous puissions faire une offrande, les gens vont courir à donner. Mais lorsque nous disons que Dieu veut que nous puissions aussi donner à nos semblables, les gens ne veulent plus donner. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous nous abaissons devant toi parce que nous reconnaissons que l'avarice est un péché. L'avarice nous éloigne de tes grâces. L'avarice ne vient pas de toi. Oui, l'égoïsme ne vient pas de toi. Oui, Seigneur, nous voulons, notre Père, pratiquer la libéralité. Nous voulons, Seigneur, être des chrétiens qui ont compris que donner est un sacrifice et dans lequel tu prends plaisir. Nous voulons donner avec amour. Nous voulons donner avec joie. Nous voulons sortir notre Père des sentiers battus. Comme dit ta parole, lorsque nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, et Seigneur, parmi les choses anciennes qui sont passées, il y a l'avarice, il y a l'égoïsme. Seigneur, nous ne voulons plus être égoïstes, nous ne voulons plus avoir l'avarice, mais nous voulons pratiquer, Seigneur, aux bonnes œuvres, parce que ta parole nous dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, pour pratiquer les bonnes œuvres. Oui, Seigneur, nous voulons pratiquer les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne sauvent pas, mais Seigneur, les bonnes œuvres, Seigneur, attire ta faveur sur nous. Oui, la Bible dit, dans Actes 10, que tu avais envoyé ton ange chez Corneille. Et la Bible dit que Dieu avait vu les aumônes que Corneille faisait. Et tu lui as dit, par la voix de l'ange, d'envoyer des serviteurs chez Pierre à Joppé pour que Pierre vienne dans sa maison afin qu'il obtienne le salut. Oui, nous remarquons, Seigneur, que ses œuvres ont attiré, les œuvres qu'il faisait, les aumônes, ont attiré la faveur sur lui. Et Seigneur, nous voulons pratiquer ces bonnes œuvres afin que ta faveur soit sur nous. Seigneur, nous sommes déjà sauvés, mais nous voulons contribuer également au royaume de Dieu en pratiquant les bonnes œuvres, parce que en faisant cela, Seigneur, tu vas toucher un plus grand nombre de personnes. Nous voyons également Dorcas, Tabitha, qui était tombée, qui était morte, Seigneur. Mais ces bonnes œuvres avaient fait en sorte que les gens se révoltent. Avaient dit non, pas elle, pas elle. Nous devons appeler Pierre afin qu'elle ressuscite. Et Pierre, quand il est arrivé, Pierre a prié pour elle et elle a été ressuscitée. Oui, Seigneur, que ta faveur soit sur nous. Oui, fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, touche notre cœur. Donne-nous d'être sensibles aux besoins de nos frères et sœurs. D'être sensibles, oui, Seigneur, à la situation par laquelle les gens traversent. Oui, notre Père, aide chacun d'entre nous, Seigneur. Aide ton peuple, Seigneur, à pratiquer des bonnes œuvres. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être avares. Oui, éloigne de nous l'avarice. Éloigne de nous, Seigneur,
Oh, l'avarice, Seigneur, l'égoïsme, Seigneur. Nous voulons partager ce que nous avons parce que ce que nous avons, c'est toi qui nous l'a donné. Qui nous l'a donné, Seigneur. Qui nous l'a donné, Seigneur. Parce que, Seigneur, oh, tu utilises un homme pour bénir un homme, Seigneur. Tu utilises un homme pour bénir un homme. Comme tu as utilisé quelqu'un pour nous bénir, Seigneur, utilise-nous également pour bénir, Seigneur, d'autres personnes. Alléluia. Alléluia. Seigneur, manifeste ta grâce. Comme cette personne qui avait été touchée par la visite de quelqu'un. Oui, elle avait été rejetée. Elle avait été rejetée. Mais lorsque tu as envoyé ton serviteur chez elle, cette personne a été reçue avec amour. Et elle pouvait dire un jour à ce serviteur, « Oui, mon serviteur, quand je suis venu chez toi, j'étais arrivé comme une orpheline. J'étais abandonné, rejeté. Mais tu m'as accueilli comme un vrai père avec amour. » Et cela l'a maintenu dans la foi. Cela l'a maintenu à rechercher ta face. Oui, Seigneur, donne-nous de pratiquer l'amour. Donne-nous de pratiquer l'amour. Donne-nous de le faire avec joie. Mais même lorsque nous rendons visite à quelqu'un, c'est avec joie, avec amour, Seigneur. Tu vois, ceux qui vont aller donner ces œuvres, qui vont aller donner ces présents à des personnes, sur le champ d'évangélisation, sur le champ missionnaire. Seigneur, mets en eux également l'amour, de le faire avec amour, avec joie, avec libéralité, sans contrainte, au nom de Jésus. Alléluia. Korabaraba shenderema. Korabasakaraba. Korabarabasaka. Donne à cette église parole vivante d'être comme l'église du premier siècle qui manifestait les dons de libéralité avec joie, avec amour. Oui, qui manifestait la bienfaisance au nom de Jésus. Donne-nous de pratiquer l'œuvre sociale avec amour, avec joie, Seigneur, sans tristesse, Seigneur. À donner selon que notre cœur a résolu. À donner avec amour, avec compassion au nom de Jésus. Korabaraba shakaraba. Nous ne voulons pas seulement attendre les instructions de l'Église, des responsables, mais nous voulons le faire parce que nous savons que ta parole nous le recommande au nom de Jésus. Nous voulons le faire sans hésiter. Oui, Seigneur, nous avons dans nos maisons, Seigneur, des habits que nous ne portons plus, mais qui sont encore bien à porter, présentables, Seigneur. Nous voulons apporter dans ta maison. Nous voulons apporter, Seigneur, des aliments dans ta maison au nom de Jésus, afin d'aller visiter les nécessités, les orphelins. Oh, Seigneur, les veuves, au nom de Jésus. Oui, les personnes abandonnées, rejetées, au nom de Jésus. Korabaraba shakaraba. C'est pourquoi nous prions également pour l'ONG Pain Vivant, Seigneur, qui est en train d'être mise en place. Oui, Seigneur, nous voulons que cet instrument, cet organe, soit un organe qui permet, Seigneur, par les œuvres sociales, de promouvoir ton royaume dans le nom de Jésus, afin que nous puissions également de comprendre la vision et obéir, Seigneur, à cette vision, au nom de Jésus, à participer pleinement, au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que cette ONG prenne forme, Seigneur. Qu'elle prenne forme, Seigneur. Qu'elle prenne forme, Seigneur. Qu'elle prenne forme, Seigneur. Et qu'elle soit reconnue rapidement. Et que nous puissions passer, Seigneur, à l'acte, Seigneur. Aux actes, Seigneur. Aux actes, Seigneur. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Avant la fin de cette année, Seigneur, nous voulons nous lever, Seigneur, au travers de cet ONG, Seigneur. Pratiquer les bonnes œuvres sociales au nom de Jésus. Et attirer des partenaires au nom de Jésus. Korabaraba shakaraba. Rima rama shakaraba, riba raba soko robo shenderema, riba sakaraba, koraba raba sakaraba, korobo shekereba. Donne-nous, Seigneur, donne-nous, Seigneur, donne-nous de donner à ton œuvre, donne-nous de donner à ton œuvre, Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous as appelés à cela. Tu nous as appelés à cela. Oh, aide-nous d'être obéissants à ta parole. Nous avons vu, Seigneur, au travers de ta parole que cela vient de toi. Cela vient de toi, Seigneur. Aide-nous d'obéir à ce pan d'évangile. Oui, Seigneur, aide-nous d'être obéissants, des enfants obéissants qui obéissent à l'entièreté de ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Du premier verset de la Bible jusqu'au dernier verset de la Bible. Au nom de Jésus. Comme quelqu'un pouvait dire, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est oui et amen.
Nous voulons obéir, nous voulons être des enfants obéissants. Au nom de Jésus, enlève de nous la rébellion, enlève de nous le doute et l'incrédulité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai pris ce matin, tu vois quelqu'un qui a été frustré, il ne veut plus donner parce qu'il a été frustré. Il a certainement fait un don et il n'a pas vu ce que ce don a fait. Ah, ce don a été détourné. Oui Seigneur, nous prions Seigneur que la frustration soit ôtée de cœur. Au nom de Jésus, nous comprenons Seigneur, nous ne faisons pas pour un nom, nous faisons pour toi, nous faisons pour toi. Parce que c'est toi, Seigneur, c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as sauvés et tu nous as appelés à cela, à ce don de libéralité. Au nom de Jésus, nous ne voulons pas regarder un homme, mais nous voulons regarder à toi. Nous voulons regarder à toi. Nous voulons fixer nos regards à toi. Nous voulons, oh Seigneur, donne-nous, Seigneur, de regarder à toi et non à un homme, Seigneur. De comprendre, Seigneur, que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Oui, Seigneur, donne-nous que nous ne soyons pas attachés, oh Seigneur, au matériel. Oui, comme ce jeune homme qui avait demandé à Jésus-Christ, que faut-il faire pour être sauvé? Ah, Seigneur, nous ne voulons pas être attachés au bien matériel, aux choses périssables de ce monde. Nous ne sommes pas nés avec et nous n'allons pas mourir avec. Même lorsque nous enterrons, nous ne sommes pas enterrés avec. Oh Seigneur, donne-nous de ne pas être attachés au bien matériel, dans le nom de Jésus, de ne pas être attachés à la richesse, oh, de ce monde, mais être attaché aux choses qui sauvent, aux choses qui amènent au ciel, aux choses spirituelles, dans le nom de Jésus. Être attaché à ta parole. Être attaché à ta parole et avoir le discernement dans le nom de Jésus. Avoir le discernement parce que nous pouvons également s'aimer. Il peut arriver que nous s'aimons dans la mauvaise terre. Ah Seigneur, nous voulons s'aimer dans les bonnes terres. Oui, dans les bonnes terres, Seigneur. Il y a des gens qui sont déguisés, que l'ennemi a envoyés, qui sont déguisés en hommes pauvres pour pouvoir bénéficier des faveurs des gens et retirer grâce des gens, Seigneur. Nous voulons que tu nous donnes le discernement à discerner ce qui vient de toi et ce qui vient de l'ennemi. Au nom de Jésus, afin de ne pas s'aimer sur la mauvaise terre, mais de s'aimer sur la bonne terre. Parce que la Bible dit, lorsque nous sèmons sur la mauvaise terre, cela ne produit pas de fruits. Mais lorsque nous sèmons sur la bonne terre, cela produit de fruits. Oh Seigneur, s'aimer sur la bonne terre, Seigneur, c'est une terre où tu es favorable, Seigneur, où tu prends plaisir, au nom de Jésus. Et au jour convenable, Seigneur, tu vas nous visiter parce que ta parole déclare toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment et qui sont appelés selon ton dessein. Oui, Seigneur, ouvre nos yeux. Donne-nous du discernement afin d'aller vers des personnes qui sont réellement nécessiteuses. Au nom des personnes qui ont réellement besoin de cette œuvre. Au nom de Jésus. Non pas des personnes qui font semblant, qui ont de quoi manger, de quoi se satisfaire, mais qui font semblant de ne rien avoir. Ah, Seigneur. Koraba Shakaraba, Reba Sakaraba. Seigneur, nous t'implorons. Seigneur, nous t'implorons. Seigneur, nous avons besoin de toi. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Et nous voulons prier encore ce matin. Parce que nous ne donnons que ce que nous avons. Si nous n'avons pas, nous n'allons rien donner. Nous allons dire, Seigneur, donne à tes enfants, afin que nous puissions donner à tes enfants qui en ont besoin. Seigneur, je prie que tu visites ce matin, tu visites ton peuple de plein oreille, de parole vivante plein oreille. Tu visites, Seigneur, les chrétiens du Gabon qui te confessent en esprit et en vérité. Tu visites les chrétiens du monde qui te confessent en esprit et en vérité. Oui, Seigneur, tu visites, Seigneur, tes chrétiens, afin que tu les fasses grâce. Tu les fasses grâce d'avoir, Seigneur, des biens à apporter, Seigneur, à évangéliser, Seigneur, au travers des ressources sociales. Équipe-les, donne-leur, Seigneur, donne-leur de quoi donner, Seigneur, à ceux qui en ont besoin, dans le nom puissant de Jésus. Parce que, Seigneur, le constat qui a été fait, la plupart des personnes qui visitent des âmes, qui visitent des chrétiens, qui visitent des personnes pour l'évangélisation, n'ont parfois rien en main. Non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils n'ont rien eux-mêmes dans leur maison. Et là, ils arrivent seulement avec l'évangile. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre. Et ils prient pour leur situation, mais ils n'ont rien apporté
pour leur donner afin qu'ils puissent manger. Seigneur, c'est pourquoi ce matin, je prie que tu leur donnes. Autant tu les équipes des dons spirituels, mais tu les équipes aussi des biens matériels, dans le nom de Jésus, pour multiplier les œuvres sociales, dans le nom de Jésus, pour atteindre, Seigneur, les peuples non atteints par l'évangile, dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, korabarabashakara, ribasokorobo, ribarabashakara, manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Visite ton peuple, Seigneur. Visite ton peuple, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que ton œuvre se développe. Ton œuvre se développe. Nous voulons, au travers des œuvres sociales, Korabasha Karaba, Korabashandaraba, Koroboshekereba Sakaraba, Korabaraba Sakaraba, Koroboshekereba, Robo Sokorobo, Roko Shekereba, Reba Sakaraba. Ah Seigneur, que ce soir, Seigneur, tes enfants comprennent que tu nous as appelés, c'est pour pratiquer de bonnes œuvres, c'est pour promouvoir le royaume des cieux. Seigneur, que chacun, lorsqu'il va dormir ce soir, dort avec cette parole, et que lorsqu'il va se réveiller demain, son cœur brûle pour les eaux sociales. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, dans le nom de Jésus. Koramashanda rakasekereba. Riba sakaraba. Korabaraba sokorobo. Kerebaraba shaka. Raba, nous voulons dormir, Seigneur, avec cette parole que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ pour pratiquer les bonnes œuvres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cela bouillonne dans nos cœurs, que cela retentit dans nos cœurs. Tu vois, Seigneur, celui qui a de quoi donner, mais ne veut pas donner, Seigneur, saisis-le. Saisis-le ce soir, au nom de Jésus. Karaba shakaraba. Comme je le disais je le disais tout à l'heure, Koraba Shakaraba, il y a un numéro qui s'affiche. Tu n'es peut-être pas dans l'église parole vivante. Oui, appelle ce numéro. Appelle ce numéro, ils vont te dire que si tu veux faire un don, voici comment il faut faire. Voici la personne qui tu dois appeler pour pouvoir donner ton œuvre sociale. Oui, tu n'es pas de l'église parole vivante. Oui, mais tu veux participer. Appelle. Koraba Shakaraba. Attire, Seigneur. Attire, Seigneur. Un aussi grand nombre à pratiquer, Seigneur, à des œuvres sociales. Attire des partenaires. Attire des partenaires. Au nom de Jésus. Korabaraba Shakaraba. Korobosha. Parce que, Seigneur, tu nous as sauvés. C'est pour cela. Et tu prends plaisir à ces œuvres sociales. Nous voulons donner volontairement. Nous voulons donner avec joie. Oh, Seigneur. Nous voulons donner avec joie. Nous comprenons, Seigneur, que c'est pour ton œuvre et non l'œuvre d'un homme. Au nom de Jésus. Koroboroboshenderema. Kirabaraba. Gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, oh Dieu. Nous te rendons grâce, éternel Dieu. Nous te bénissons, oh Dieu. Nous te rendons grâce. Oui, frères et sœurs, bénis le Seigneur. Là où tu es dans ta maison, bénis le Seigneur. Rends grâce au Seigneur parce que ce soir, tu as appris que le Seigneur t'a sauvé, c'est pour faire des bonnes œuvres. Tu n'es pas sauvé, les bonnes œuvres ne sauvent pas. Mais les bonnes œuvres, tu es sauvé pour pratiquer des bonnes œuvres. Bénis-le parce que sa parole est vérité. Bénis-le parce que Dieu ce soir nous fait du bien. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Et nous voulons ce soir nous recommander à ta grâce. Nous te recommandons cette nuit. Seigneur, garde chacun d'entre nous. Que cette parole qui a été prêchée, Seigneur, que cette parole puisse germer dans nos cœurs. Que cette parole puisse porter du fruit. Oh, nous ne voulons pas rejeter cette parole. Mais nous voulons être des parents, des enfants obéissants. Qui obéissent et qui mettent en pratique ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, et que cela porte pas du fruit. Comme Seigneur, nous grandissons dans la foi, Seigneur, nous voulons aussi grandir dans les œuvres sociales. Comme nous grandissons en connaissant la parole de Dieu, nous voulons aussi grandir dans les œuvres sociales. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent, toi qui vis et qui règnes à jamais. Au nom de Jésus, amen. Alléluia.
Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à tous.